Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai fait le nettoyage de mon téléphone. Et ben, j'ai été surprise de voir toutes les applis que je n'avais pas demandé mais qui étaient là. D'abord, je voulais. Je fais cette vidéo, il est 10h moins 25 passé. On est jeudi. Je vais vous faire partager le chant des oiseaux, la nature. Je ne sais pas si vous les entendez, les oiseaux qui chantent, mais c'est juste magnifique. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc je vous disais, j'ai fait le nettoyage dans mon téléphone. J'ai tout viré, tout. J'ai gardé l'essentiel. De quoi téléphoner et de quoi faire des photos et des vidéos, point. Tout viré le reste, tout viré. Tout désactivé, tout... Il y a des applis, vous savez, je pense que vous devez être au courant, des applis pour savoir votre chemin. Quand vous allez quelque part et que vous ne connaissez pas le chemin, ben, il y a des applis qui vous disent vous partez de tel endroit et vous allez à tel endroit, donc vous prenez cette route-là. Ben, ces applis-là, je vous rappelle, excusez-moi, mais le pollen me dérange un peu. Mais c'est une question d'habitude, c'est pas grave. Et bref, ces applis, donc, soi-disant, sont là pour vous aider. Mais je vous rappelle quand même qu'elles sont reliées aux satellites. Et donc, elles vous suivent. Elles savent où vous allez, quand vous y allez. Donc, moi, j'ai viré tout ça. Ben, comment faire? Simple. Je reprends des cartes. C'est bien les cartes. Les cartes pour savoir où je suis et où je vais. Voilà. Le téléphone, il me sert qu'à la maison. Quand je sors et si je fais des vidéos, je le désactive. J'enlève la puce téléphonique. Pas besoin de puce téléphonique pour aller pour sortir. Et en cas de problème, bah, je téléphonerai d'un téléphone normal dans un café, quitte à prendre un café quelque part, j'appellerai à ce moment-là, si danger ou problème. Voilà, bah, s'il faut en arriver là, hein, bah, j'en arrive là, hein, j'ai pas peur, ça me dérange absolument pas, ça me dérange absolument pas. Moi, pour moi, un téléphone, c'est fait pour téléphoner, rien d'autre. Bah, prendre des photos, ouais, de temps en temps. C'est vrai que la qualité des photos sont quand même relativement bien, hein, c'est sympa. Mais voilà, ça ne me sert qu'à ça, c'est tout. Je ne vois pas l'utilité d'avoir mon ordinateur avec moi, un ordinateur que j'ai à la maison et qui suffit. Je n'ai pas besoin d'être... je n'ai pas besoin de tout ça. Juste le strict minimum, voilà. Si je dois enlever parce que je suis chez Orange hein, et Orange veut nous mettre la 5G et comme j'en veux pas de la 5G bon donc les puces d'Orange bah, resteront à la maison quand je sortirai. Bah, ouais. J'ai pas d'utilité. Je dis le téléphone, ça va à la maison, c'est tout. Donc voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Hein. Bon, l'ordi, il faudrait que je fasse le ménage aussi. Parce qu'il y a des choses qui n'ont aucun intérêt dedans. Et je vois pas à quoi ça sert. Et en plus, ça prend de la place pour rien. Donc, inutile. Donc, voilà. Je vous ai dit hein, que je ferai le ménage. Je fais le ménage. Alors, oui, certains vont se poser des questions en se disant « Ouais, mais hier, t'as dit que t'étais en grève sur Facebook et aujourd'hui, on te voit poster. » Bah, on m'a vu poster, parce qu'en fait, j'ai juste regardé mes mails et j'ai partagé les vidéos qui me semblaient les plus intéressantes. Mais je n'irai pas voir ailleurs. Je vais avoir des messages, j'en avais, enfin des notifications, j'en avais je sais pas combien ce matin.
J'ai regardé aucune. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Du tout, du tout, du tout. Ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Je sais, donc ça ne m'intéresse pas. Alors bon, je vois des gens qui m'envoient encore des messages en disant « Regarde, 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 regarde. Oh, mon Dieu. » Mais c'est des trucs que je sais depuis longtemps, c'est bon. Je sais que les médecins, ils sont tenus au secret et qu'ils ne doivent pas dévoiler ce qu'ils savent. Je sais que beaucoup sont ne peuvent rien dire sous menace. Hein. Alors oui, j'ai posté cette vidéo aussi d'un médecin qui dénonçait les sanctions qu'il risquait s'il disait la vérité. Ben voilà. On en est là aujourd'hui. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Personne n'a le droit de parler de ce qui se passe. Personne, personne. Que ce soit les médecins, les avocats, les tout ce que vous voulez, personne n'a le droit. Non, on n'a plus le droit, voilà. Parce que ça serait pas du jeu, les gars, ça serait pas du jeu. Donc, moi je m'en fous parce que je rentre pas dans leur jeu, donc voilà, je dégage tout. Si je dois en revenir à tout ce qui est papier, j'en reviendrai au papier, hein. On n'a pas de souci. Ça me pose aucun problème. Et si je dois être virée d'Orange parce que, enfin de chez Orange parce que je ne veux pas de sa 5G de merde, parce que je ne veux pas donner du pouvoir à ce qui est en place, ben je le ferai. C'est pas grave. Moi, ça me pose aucun souci, aucun. Je reviens au papier, c'est pas grave, hein. Les cartes, elles sont bonnes aussi, hein. Les cartes que vous achetez en magasin pour ça, pour connaître votre ville, vous savez, les rues, machin, truc. Moi déjà à Nice, j'y vais pas, hein. J'y vais très peu, parce que j'aime Nice, mais voilà, je préfère être ailleurs, donc voilà. Et non, je... C'est plus dans ma façon d'être, c'est plus dans ma façon de vivre. Alors, depuis un certain temps, on me demande, mais qu'est-ce que t'as? Ça va pas? T'es pas comme avant? Ben non, je suis pas comme avant. Non, je... Par contre, et avant de finir, je dois vous dire que j'ai vu quelque chose, j'ai vu une pépite hier que j'ai partagée sur ma page, que j'ai partagée en Messenger. C'était, comment elle s'appelle, Landon, un comédien français qui a fait un très beau texte expliquant ce qui se passe, expliquant comment on en est arrivé là, et donnant quelques solutions pour en sortir. Je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous parce que vraiment, 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 elle vaut le coup d'œil. Après, vous la regardez, vous ne la regardez pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Dernière petite chose, je vous dirai que tant que ce système sera en place et tant que les choses ne changeront pas, tant qu'il y aura toujours... un dominant pour dédominer, un berger pour emmener ses moutons à la mort, à l'esclavage, je ne changerai pas d'un iota ma façon de voir, ma façon de penser. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas jouer leur jeu et pour montrer autour de moi ce qui se passe et comment, où on va, mais tout le monde sait où on va, hein. Enfin, il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne le voient pas, hein. Tout le monde sait où on va. Donc voilà, tant que ce pouvoir sera en place, tant qu'il n'y aura pas un grand nettoyage de fond, mais quand je vous dis de fond, c'est de fond, vraiment, je ne reviendrai pas en arrière. D'ailleurs, je ne peux pas revenir en arrière. Il m'est strictement impossible de revenir en arrière. Donc, je ne peux pas. Je ne peux que aller de l'avant. Voilà. Et je refuserai systématiquement tout ce que l'on va me proposer. Alors, là, en ce moment, ici, on fait la distribution des masques. Ben, c'est bien. Faites, distribuez. Allez-y.
Moi, j'ai pas envie de rentrer dans leur jeu. Donc, les masques, j'en mettrai pas. Ou alors, juste par respect vis-à-vis de quelqu'un. Mais c'est du respect vis-à-vis de la personne. Et c'est ma décision. Voilà. On ne m'imposera pas les masques. On ne m'imposera pas les tests qui sont faux. Puisque je vous ai posté aussi sur ma page jusqu'où on peut aller, quoi. Je veux dire, on a trouvé du Covid dans une papaye. On a trouvé du Covid dans des fruits et légumes. C'est juste hallucinant, quoi. Voilà, c'est là, voilà, hein, c'est le système de la peur. Voilà. Donc, mangez plus de papaye, hein, vous allez avoir le Covid. Mangez pas de pastèque non plus. Bon, les animaux, ça, n'en mangez pas. Moi, personnellement, j'en mange de moins en moins parce que et petit à petit, mon corps ne supporte pas la viande. Voilà, c'est comme ça. J'ai beaucoup de mal, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, pas la 5G, la 5G, la 5G. Bien sûr que j'en veux pas la 5G. Pas de celle-là en tout cas. Non, pas de celle-là. Qu'est-ce qui. Ah, il nous prévoit aussi la 6, hein, qui est juste derrière, hein, en cas où. On ne sait jamais. Qu'est-ce que je ne veux pas? Je ne veux pas les vaccins. Non, je ne veux pas de vaccin. Mon dernier vaccin remonte à il y a plus de 10 ans, parce que je devais rentrer. En milieu hospitalier pour y travailler, donc il me fallait absolument la polio, voilà. Et j'ai été obligée de le faire, sinon je n'avais pas de boulot. À cette époque-là, j'étais seule, avec mes enfants, aucune rentrée, besoin de bosser. Donc je l'ai fait, mais j'en ferai pas d'autres. Ah, j'en ferai pas d'autres. Ni la grippe, ni le Covid, ni rien du tout. Je m'en fiche, j'en veux pas d'autres. Donc les masques, j'en veux pas, les tests, j'en veux pas, les vaccins, j'en veux pas, la 5G, j'en veux pas. Qu'est-ce qu'ils nous proposent aussi? Ah, l'appli. Alors, si j'ai nettoyé mon téléphone, c'est sûrement pas pour remettre l'appli du Covid, hein, ça. Fuck l'appli. Fuck tout ce qui vient de ce système. Voilà, grosso modo, voilà. C'est ça, fuck tout ce qui vient de ce système. Alors, pour les Portugais, juste deux petits mots. Eu não quero nada de que nos dá o Estado agora, por enquanto. Nada, nada, nada. Voilà. Ces gens-là, je les. Voilà, c'est pas mon but, c'est pas mon rôle, c'est pas dans mes convictions. Voilà, mon cœur est content que je m'éloigne de tout ça, et je fais plaisir à mon cœur avant de faire plaisir au système. Et si ça s'appelle pas au système, et ben fuck le système. Voilà, moi je vous le mets à titre d'information, et voilà. Donc je vous laisse profiter un petit peu du chant des oiseaux. Écoutez. Je sais pas si vous les entendez, mais franchement, c'est juste magnifique. Voilà, et c'était la petite vidéo de la journée, et je vous souhaite une très bonne journée, et plein d'amour pour vous dans votre cœur. Et n'oubliez pas que on vous aime, vous n'êtes pas seul. Et ouvrez les yeux. Choisissez votre camp avec tout mon amour. Bye.